Elle est célèbre pour ses chansons, mais aussi pour son rôle dans La vérité si je mens. Serge Benamou était fou amoureux d'elle. Aujourd'hui, Elisa Tovati est mon invitée dans Allogy le Live et nous sommes au Shkoun, le restaurant situé dans le 16e arrondissement. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisa, comment ça va? Bonjour, salut tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, chaudement, hein, on peut dire aux gens qu'il fait très chaud. Et puis un peu excité par la sortie de cet album. On va parler de ton actu, mais avant j'aimerais revenir un peu sur ton rôle quand même dans La vérité si je mens. Mm-hmm. Ça va plaire à notre communauté. Donc tu étais la mythique Shoshana. Est-ce que c'est un rôle qui t'a marqué et qui t'a poursuivi jusqu'à maintenant? Ah oui, carrément. Ouais. Ça fait 20 ans. Puisqu'en fait, les 20 ans de La vérité si je mens, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti ce single à la Bina, pour un petit clin d'œil à La vérité si je mens. Et puis voilà, la BO est tellement mythique, ça correspondait bien à ce projet Elisa fait son cinéma. Mais Shoshana, c'est un rôle qui m'a apporté énormément, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a fait connaître du public. Et à la fois, c'est un rôle qui m'a collé à la peau et j'ai eu du mal à faire au début comprendre aux gens que Shoshana, c'était pas moi. Est-ce qu'on t'appelle encore Shoshana aujourd'hui dans la rue? Non, moins, mais il y a eu un moment donné où c'était terrible. Shoshana Mania. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se souvient très bien de ce nom Shoshana, mais si je vous demande le nom des deux autres filles, c'est pas dit que vous le dites aussi rapidement. Dans les autres vérités si je mens? Bah oui, les autres personnages. Ouais, c'est vrai, je me souviens pas. Par exemple, Amira Kazar, elle s'appelle comment? Ah, je sais pas. Ah bah voilà, il y a plus que Shoshana. Ouais, c'est Shoshana, dingue. C'était là. Et alors, du coup, c'est qui le plus sympa des cinq entre Serge, Patrick, Dove, Yvan et Edouard? Non, c'est José Garcia, c'est Serge. Et pas parce que c'est mon mari, mais José Garcia, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de l'interviewer. C'est un être exceptionnel. C'est la classe, en fait. Cet homme, c'est la classe avec les femmes, avec les techniciens. C'est un très bon comédien, c'est quelqu'un de passionné, c'est un bonbon, il a beaucoup d'humour. Franchement, c'est un mec qu'il faut connaître. Bon bah Serge, si tu nous regardes un jour, hein, pourquoi pas. Donc tu étais aussi la fille d'Enrico, on l'adore, on l'a interviewé il n'y a pas longtemps. C'était comment de tourner avec lui? C'était sympa. C'est sympa parce qu'Enrico, il reste toujours Enrico. Même quand il est dans son personnage, il a une telle prestance et il est gentil. Et c'était chouette d'avoir un papa comme ça. Enfin, ma grand-mère était très contente en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la scène, si tu te souviens, dans La vérité si je mens 3, l'amulette magique avec José Garcia? Ah, moi, j'y connaissais rien, cette histoire d'amulette. Je savais pas que les pattes de poulet, ça faisait avoir des bébés, moi. Donc, c'est sûr que j'étais un peu surprise. Je me souviens plus si c'était une vraie patte, mais oui. En tout cas, je me souviens qu'on s'est vachement marré avec José, qu'on crevait de chaud dans ce lit, et que comme il y avait beaucoup de connivence et beaucoup d'amitié, ça s'est très bien passé. Mais ce que vous savez pas, c'est que derrière la caméra, il y avait peut-être 20 personnes, dont le producteur qui était venu pour voir comment se passait le tournage. Donc j'étais gênée comme jamais. Ton papa est d'origine marocaine, mm-hmm. ta maman polonaise russe. Mm-hmm. De quel côté tu te sens le plus à l'aise? Je me sens vraiment moitié-moitié. J'ai vraiment l'impression d'avoir l'âme slave, la culture slave. Ça vient aussi de la maman, hein, qui apporte beaucoup à l'éducation des enfants, avec la couleur du sud, bien sûr. Mais je suis vraiment un savant mélange. On m'a appelé pendant des années vodka couscous. Ah, sympa, c'est ouais. Marrant. D'accord, en tout cas, c'est un très très beau mélange. Donc, ton actu, on y vient. Ton nouvel album, Elisa fait son cinéma, disponible le 16 juin. Il raconte quoi cet album? En fait, c'est un album, c'est une passerelle entre la comédienne qui chante et la chanteuse qui joue la comédie. Souvent, on m'a dit, ah, mais t'as un peu le cul entre deux chaises, c'est quoi ce que tu veux faire? Comédienne, chanteuse, chanteuse, comédienne. Là, c'est vraiment une passerelle entre ce monde du cinéma et ce monde de la musique. Moi, je suis fan depuis des années de ces magnifiques BO, de ces chansons de films. Et j'avais comme ça une série de chansons qui pour moi étaient mythiques, cultes. Alors ça part des années 50 avec Elvis Presley et Marilyn, mais c'est aussi, ça peut être la chanson d'Hélène de Romy Schneider, ça peut être La Boum, ça peut être Diabolomante, Porquetéba, évidemment Alabina. Donc c'est un mélange de chansons plus connues, moins connues, plus populaires, plus vieilles, plus jeunes, qu'on a revisitées, on a remis des rythmes un peu à la bonne entendeur. Parfois il y a des chansons en anglais qu'on a passé en français. Parfois, on est allé chercher des petites versions que vous ne connaissiez pas. Par exemple, Top Gun, la version française a été chantée par Gérard Lenormand. Et parfois, on a mis en avant vraiment la comédienne avec la voix très pure, vraiment une interprétation de comédienne. Et d'autres fois, on se laisse aller à des rythmes plus bossa. C'est vraiment de la créativité, quoi. Voilà, écoute, c'est 17 titres comme ça, enregistrés en live, en condition de live, avec des musiciens live autour de moi, les meilleurs musiciens de France qui étaient autour de moi en studio.
morceaux et on a fait 3-4 et on a lancé. Donc il y a quelque chose de très organique et de très acoustique, de très live dans cet album. Il y a évidemment Alabina, ouais, qu'on a tourné dans le désert d'Agafay, ma version d'Alabina, puisque j'ai fait le texte en français alors que normalement la chanson est en espagnol. Espagnol-arabe, moi j'ai fait français-arabe. Il y a Diabolomante et c'est un super clip en noir et blanc qui présente tout le projet, où on me voit me grimer en plein de personnages, Marilyn, Elvis Presley, Romy Schneider, Isabelle Adjani, Sophie Marceau. Et puis on a évidemment Podane, cette chanson Amour, Amour, magnifique. Et ça, le clip a été tourné aussi en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai la Podane spéciale dédicace pour Catherine Deneuve qui a tenu 3 mois avec cette peau. Moi, à la fin de la journée, j'avais une migraine. Et tu as aussi porté la perruque blonde. Ça t'allait bien, hein? C'était un fantasme que ma mère est blonde aux yeux bleus. Et j'avais très envie de me glisser dans la peau de tous ces personnages, mais particulièrement de faire une blonde aux yeux bleus pour prouver que moi aussi, avec des lentilles et les cheveux blonds, je pouvais ressembler à ma maman. Il y a une dizaine d'années, tu avais aussi sorti l'album Le Syndrome de Peter Pan. Mm-hmm. Alors pourquoi ce titre? Tu as toi-même ce syndrome? Parce que j'étais un peu à la croisée des routes et que je regardais un peu dans le rétroviseur et que j'avais pas trop envie de grandir à cette époque-là et que je trouvais que c'était sympa de faire un album où il y avait un champ lexical de l'enfance sur tous les titres. Et j'avais choisi ce titre, Le Syndrome de Peter Pan. Alors ton actu, c'est aussi donc tu apparais donc dans l'émission La Fête de la Chanson à l'Oriental. Oui. Tu en parlais il y a quelques secondes. Comment c'était, raconte-moi. Mais c'était génial. On est tous partis à Marrakech dans un sublime hôtel. Et ce qui a été fantastique, c'est de se mélanger avec les Marocains. Donc c'est une émission où il y aura vraiment des duos. Moi j'ai chanté avec Chouki. Habibi I Love You, le titre Habibi, ouais. I Love You, qui était aussi un titre avec Redouane. Et après j'ai chanté Alabina et c'est un vrai moment de bonheur. C'est toujours agréable, c'est un peu comme une colo de vacances quand on part tous et qu'on va chanter à l'étranger parce qu'on reste ensemble le soir, on crée des liens et l'endroit était sublime. Et l'endroit, c'est vrai qu'il était sublime. Tu as aussi joué dans une pièce de théâtre, je ne sais pas si tu t'en souviens, Open Bed. Mais bien sûr, avec Titoff. C'était génial parce que c'était une pièce où on jouait la comédie et on chantait. Et on chantait. Tu vois encore une passerelle entre mes deux mondes. Mais ça se fait de plus en plus de toute façon. Oui, de plus en plus, exactement. Avec toutes ces expériences, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Le plus important pour moi, c'est la diversité et c'est le chemin plus que le résultat. C'est que je me suis rendu compte, en ayant eu un énorme succès avec Il nous faut, qui a été chanson de la décennie, ou La vérité si je mens, ou même 99 ans, qui a fait des millions de spectateurs, je me rends compte qu'elle n'est pas là, la solution. La solution, c'est les gens que vous rencontrez, c'est la bienveillance et l'humanité que vous mettez dans chaque étape de votre projet. C'est ce travail de création, de recherche. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis le public aussi. Quand on voit le public qui se lève, qui crie, qui tape des mains, qui fait... Voilà, on a envie de continuer pour eux, ça nous transcende. Tu as des dates de concert? Non, j'ai pas les dates, j'attends que l'album sorte. J'ai déjà le titre du spectacle et ce qu'il va y avoir dedans. Ça va s'appeler Elisa se donne en spectacle. Et ça va être des chansons, les chansons de cet album. Bon, après, j'en avais maquetté presque 25-26, donc il y en aura plus, des différentes. Et puis, il y aura aussi des images de cinéma, des monologues. Ça va être un mélange de la comédienne et de la chanteuse. Ah bah, on a hâte de découvrir tout ça. Elisa, merci. Merci de m'avoir invitée. T'es formidable. Ah, c'est gentil, je te retourne le compliment. Donc, Elisa fait son cinéma disponible le 16 juin, plein de chansons revisitées. Et puis, un autre film, peut-être prochainement? Oui, prochainement un autre film, mais là, vraiment mon bébé, c'est cet album de chansons de cinéma, au moins pendant encore un an. Et peut-être plus, parce que pourquoi pas un volume 2 si ça plaît. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater l'interview. Et je vous dis à très vite. C'était Elisa Tovati pour Allo JE Live. À bientôt.